Yo les gars, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve sur la map Stonehaven en élimination confirmée. Donc, sur Call of Duty Ghost, je jouais à l'AK-12. Donc, silencieux, charge à grande capacité. La PDW en arme secondaire. En atout, j'avais résistance, pillard, tour de passe-passe. Et les autres trucs, je me rappelle plus. Au passage, j'étais accompagné de Green, Monster Belgium, donc Nico, Yoshi HD, Momo et moi-même. Donc, je crois qu'on était que ça. Donc voilà, je jouais AK-12 PDW là comme vous pouvez voir. Donc c'est pas la PDW 57, en fait c'est un genre de Rafika comme dans MW2. Donc ça tire des rafales. Après en atout, donc comme je vous ai dit, j'avais ça. Je jouais avec les spécialistes, donc j'avais le premier atout, je me rappelle plus ce que c'est. Je crois que c'est. Non, je sais plus ce que c'est. Le deuxième atout, c'est pour dès que je tire sur un ennemi, genre il est marqué sur la map, ça fait un petit point rouge. Et le troisième atout, c'est quand on me lance une flash ou une paralysante, bah ça fait rien. C'est comme masque tactique, si vous voulez. Voilà. Et grenade frag et paralysante. Donc voilà. Et la K12, c'est un peu la K47, si vous voulez, des autres Call of. Donc silencieux, voilà, pour être furtif, hein, c'est un peu la moindre des choses. Et chargeur grande cap. Parce que franchement, si vous jouez pas avec un silencieux là au début du jeu, voilà, c'est un peu chaud. Surtout quand on connaît pas les spawns. Après, quand on connaîtra les spawns, enfin quand je connaîtrai les spawns. J'enlèverais peut-être le silencieux, mais là c'est vrai que je voulais rester un peu furtif, être dans le spawn et être furtif. Donc voilà. Donc je voulais un peu parler de Ghost là dans cette vidéo. Donc tout d'abord, je voulais dire qu'il y avait enfin je vais dire les points positifs de ce jeu. Donc tout d'abord, la connexion, franchement, les gens, le jour et la nuit avec Black Ops 2, les connexions, même sur Xbox, enfin c'est meilleur sur PS3 que sur Xbox là. Franchement, j'ai été choqué. Les connexions, mon gars, en fait, c'est des serveurs dédiés sur Ghost et les connexions, mon gars. Franchement, c'est une tuerie. Il n'y a aucun lag, aucun pet de lag, pardon. Wow, j'arrête pas de bugger. Il n'y a pas de lag, ça c'est bien. Les armes sont équilibrées, il n'y a pas d'armes cheatées ou je sais pas quoi là. Voilà, il n'y a pas de ça. Sinon, donc j'ai fait. Deux gros gameplay aujourd'hui sur Ghost, donc je l'ai eu aujourd'hui, donc on est lundi, donc un jour en avance je l'ai eu. Donc, franchement j'ai fait ce gros gameplay, donc une tentative KM Strike. J'ai fait un plus de 60 frags sur Strike Zone, donc c'est la map un peu la plus petite du jeu. Donc un 66 frags à l'AK-12 aussi, c'est la même arme. Franchement je joue que avec cette arme, elle est vraiment énorme. Sinon les armes que je pourrais vous conseiller sur Ghost si vous l'avez. Il y a l'AK-12, donc comme je vous dis. Il y a l'ARX 160, donc c'est un peu l'ACR. Il y a la Vector. Et franchement, sur toutes ces armes, vous mettez silencieux sur la grande cape, c'est nickel. Il y a la Vector, il y a la. Ah, comment ça s'appelle là? L'arme qui m'a conseillé Green, là. Merde, comment ça s'appelle? La Shazam. La Shazam, je crois que c'est la Shazam. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. Enfin bref. Shazam, pareil, vous mettez, il m'avait dit. Genre ouvre frein à bouche, genre de canon long, un truc comme ça, avec le viseur laser, donc pour tirer au GG. Donc voilà, franchement, c'est une bonne classe. Après, je vous conseille ça comme classe. Après, pour XP vite, je peux vous dire de franchement d'aller en EC. Ouais, c'est pas trop mal, on XP pas trop mal. Jouer en spécialiste, franchement, c'est ça le bon point, je pense, de jouer en spécialiste. Donc voilà. Après j'ai testé plein de modes, donc j'ai testé le C, la Domi, le MME, j'ai testé le mode, comment ça s'appelle là, le Ranked, voilà. Franchement c'est un bon mode, même s'il y a pas mal de campeurs quand même, même si bah, ça oblige plutôt les gens à rusher, bah les gens campent quand même, donc c'est un peu chiant. Donc voilà. Donc je vais vous laisser parce que la vidéo va bientôt se terminer, donc vous vous doutez bien que je ne vais pas réussir la KM Strike. Je vais mourir pas très loin. Donc n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, ça me fait très plaisir. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de Call of Duty Ghost. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Donc voilà, je meurs à 19 malheureusement. Donc à 5 frags de la KM. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.